bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo de l'Eclatech. Bon, du coup, je vais vous montrer un petit peu les docks en question d'Eclatech. Franchement, ça fait plaisir. Rappelez-vous quand même que j'étais sur le cul d'avoir enfin vu une brochure d'Eclatech Clip de 98. Franchement, j'étais sur le cul d'en avoir une en vrai. Alors, bien sûr, vous allez dire, oui, on en a déjà une doc Eclatech de 98. Mais bon, moi, je vous la montre pour ceux qui l'ont jamais vue, parce qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui l'ont vue, hein, voilà. Parce que c'est pareil avec les critiques qu'il y a eu un petit moment, donc j'ai dit pourquoi pas, voilà, vous montrer quelques catalogues intéressants. Donc les petites brochures sont là. Franchement, si je peux les récupérer, ces bordels-là, c'est... Oh là là. La petite brochure de la Paléo, qui est de toute beauté. La fameuse Eclatech Indice des années 2000. Nous avons également l'abrégé de 99, voilà, de 99. Nous avons également en doc, donc dans le dossier éclairage public de là-dedans, nous avons le truc le plus farfelu, le plus what the fuck que j'ai jamais connu, la fameuse brochure de la Clip. Donc franchement, si je peux récupérer cette brochure-là, c'est un truc de malade. Parce que alors là, franchement, c'est un viol. L'abrégé de... le gros GG qui date de 2005, l'abrégé 2005, et en dernier, le fameux, ah non, en petit bonus, le Metronomis 2 qui n'a rien à voir avec l'Eclatech, mais bon, comme j'ai en fait oublié de vous faire montrer une vidéo, la brochure en question, je la rajoute avec l'Eclatech, bon c'est vraiment, ou je la mettrai plus tard, mais je vais la mettre avec, voilà. Donc voilà, donc du coup c'est parti, donc du coup on va pouvoir commencer... Là, donc l'abrégé 99, hein, c'est sûr, hein. Donc voilà, donc déjà, ça par contre c'est pareil, c'est donc là, ils ont déjà été publiés, pas ceux-là, mais d'autres docs ont été publiés sur ce catalogue-là, mais voilà, donc là je l'ai dans mes mains, je l'ai scanné, et comme la plupart des gens ne l'ont pas parce qu'ils l'ont jamais vu, donc du coup je le montre à eux qui n'ont jamais vu. Donc voilà, donc là... Ils expliquent un petit peu les gammes trafic et compagnie. Donc on voit la Aura 30, la Steak 64, la Box 64, la Clima 2, la Lustra, donc les petites bouboules, de la Elliptic 45, la Elite B-Top, on voit de la Drop, on voit de la Orient, de la Luna, de la Micro, on voit de la Saxo Nimbus, je ne connaissais pas, Diabolo, Typo, Agora, Temporis, Totem Orion, la Reflex, la Oblique, Totem Ellipta, Totem Quadrille, voilà, la Vanne, la Stratus, donc la Métro, la Forville, la Ellipte, la Clima, la Stratus, salut, on dirait des Shredder PQ, le truc, voilà, on dirait des Shredder PQ, donc du coup ça fait vraiment drôle, voilà. Donc après il y a la Métro, la Forville, bon après c'est voilà, la Emeraude, l'Architecte, la Stratus encore, la Vecteur, la Nimbus, la Stratus, encore Stratus, Ellipte, Ellipte, voilà, c'est simple en fait. Hein. La Clip, alors, ça c'est sûr la Clip, hein, ça, qui connaît pas la Clip, l'Orient, la Cyclope, hein, la Taurus, hein, la Taurus, hein, la Elliptec, la Adus, donc les machins de encastrés. Donc là, c'est vraiment intéressant, ce petit machin-là, j'aime bien parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas l'Austral. Ah, j'étais là, je viens de découvrir un truc qu'il n'y avait pas l'Austral. Donc c'est bizarre, c'est étonnant. L'abrégé 2005, donc là, c'est pareil. Voilà. L'abrégé avec dessus l'indice, les trucs normaux. Hein. Donc l'indice, donc là, c'est... Donc l'indice spirale graphique, il y a un peu tout, donc là, la Masai volute, bon ça c'est toujours de l'indice, de l'architecte, bon là c'est vraiment la ellipte, la ellipte, la chorus, la métro, la cities qui est là, la Nantua, le modèle en question un peu plus what the fuck, c'est celui-là. J'ai jamais vu de ma part, mais vraiment assez gros. La Stern, la Roche Longue qui est là, la Duplex, hein, connue, la Reflex,
la oblique, la iria, la stratus là encore, la sta... Ah ok, c'est la stratus en fait, la climat, la luna, la totem luna, donc là en poteau bois, la Fortville, la émeraude, la Havane, l'Orient, donc on le voit très bien que c'est la même grille en fait, ils sont pas embêtés, la stèle. Et puis après, nous avons les lanternes fonctionnelles, donc la clip avec plusieurs sortes de supports, la paléo avec plusieurs sortes de supports, la éclat, la BTX, la austral, la aurélia, les bobornes, donc les fonctionnels, donc là, la totem, la transfert, la garrigue, la alubois, la cadix, alexandrie, les projecteurs de tunnel, donc là, l'orion, la taurus, la sirio, la airport. La TLS, donc là, ouais. Et cette petite photo-là, je l'ai en photo, donc dans mes photos d'Eclatech. On me l'a refilé celle-là, mais la vraie photo originale, quoi. C'est vraiment intéressant. Et on dit, c'est vraiment, on a une photo de catalogue, ça fait plaisir. Donc là, donc, avec les photos tunnel, les encastrés de sol, hein, donc avec les trucs en LED, les spécialités avec la Prioritech et l'Elitech, voilà, les fameux trucs de passage piéton, les Projo, là. Et la fin du petit abrégé. Donc du coup, après nous avons arrivé à la clip 98. Oh mon Dieu, le bonheur arrive. Le bonheur. Franchement, ça fait plaisir d'avoir une doc pareille sur soi. Parce que c'est impressionnant. Donc la clip, donc là on voit un petit peu le modèle en question. Donc c'est pareil avec plusieurs types d'optiques. Plusieurs kits standards. Hein. C'est les kits standards clip 28 et 34. On a la clip et le kit Eclapac, donc là, donc la version optique scellée, la version kit DC, donc avec la lampe spéciale RCTS, donc là il parle de l'étanchéité, le micro switch, hein, la vasque interchangeable sur site, voilà, donc avec les fameuses filtres dedans, les grilles parallume, hein, voilà, tout ça. Donc là ils expliquent après, donc ça c'est une photo que j'ai déjà vue sur un truc. Donc là, ils expliquent un peu les inclinaisons, les tops et tout ça. J'allume 98. Donc là, voilà, ça explique un petit peu le truc. Et la doc date de 98. C'est impressionnant. Voilà. Donc franchement, celle-là, si je la récupère, c'est vraiment un truc de malade. Les docs Eclatech. Donc là, c'est une petite brochure à une page. Donc là, c'est la clip avec ça. Hein. Et la émeraude. Donc dessinée, c'est joli comme tout. Voilà, donc ces petites brochures qu'il y avait dessus. J'ai dit pourquoi pas les scanner aussi. Donc ils seront pas sur mon site, c'est dommage. La Indice 2004. Donc là, la petite Indice, donc c'est pareil, ça date de vieux la Indice quand même, hein, déjà. Ça a plus de 10 ans. Et la Indice existe toujours. Donc là, on voit un petit peu les sortes d'indices qu'il y a là en dessous, les indices. Donc là, voilà, les supports, les machins. Donc là, toutes les lignes graphiques, la ligne spirale. La ligne volute, la ligne parabole, donc là on voit bien sûr, voilà, donc nous en fait ce qu'on a c'est la ligne spirale, voilà. Nous, par chez nous c'est la ligne lyre spirale, voilà, c'est le modèle en question, donc là ils expliquent un peu support du cuillère, en bout top, latéral top, la lyre latérale, la lyre portée. Donc la lyre mamelon, la lyre caténaire. Donc là, il montre l'intérieur. Et la fin de la doc. Franchement, c'est un beau modèle, ça, la Hadis. C'est vraiment pas mal. Et la paléo. Oh, ça, j'apprécie beaucoup, cette doc-là. J'apprécie beaucoup la doc de la paléo. Franchement, moi, j'apprécie. C'est vraiment de la bonne doc, ces catalogues-là. Ces brochures-là. Et donc là, on voit bien sûr, bon, de toute façon, ces photos, ces docs là, ça sert à rien que je vous les montre. Parce que bon, je vous les montre quand même, parce que voilà, ça fait plaisir de vous les montrer, puis en même temps de les revoir. Parce que ces docs là, je les ai déjà en PDF, bon, pas sur mon site, mais je les ai en PDF en fait. Mais j'aime bien avoir, comme tout le monde sait, la version papier, parce que c'est toujours un bonheur d'avoir les versions papier. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. J'ai mon nez qui coule en plus. En plus, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est un bonheur infini d'avoir les versions papier. Pourquoi?
Parce que on est heureux d'avoir la... On peut toucher le papier qui, on va dire, qui est imprimé du luminaire en question. C'est vraiment pas mal. Et donc, du coup, j'ai dit pourquoi pas, voilà, faire un petit dossier. Donc, c'est pareil. Le jour que je puisse les récupérer, c'est donc là, je vous garantis, je fais la fête, je fais un apéro géant. Hein. Donc, voilà, donc la petite vidéo se touche à sa fin. Donc, on va pouvoir se retrouver sur notre doc encore hein, pour le prochain coup. Puis après, on va peut-être se calmer sur les docs un petit moment. Parce qu'il y a plein déjà de docs de fête. Et on fera d'autres vidéos sur d'autres choses. J'ai même un autre format que je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, donc on se tient en jus pour une nouvelle vidéo. Donc on se dit bah. Bah c'est pas faux, hein. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.